qui nous suivent de près ou de loin. Aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre 2022, nous sommes à Palimé. Nous sommes à Palimé pour rendre visite à une gloire du football togolais qui est passée de la lumière et un peu à l'ombre, une très grande gloire de l'équipe nationale et de l'équipe de Comido. Nous sommes chez lui aujourd'hui pour nous entretenir avec lui parce que depuis un certain temps, il a quelques soucis de santé. Et M. Zidane, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va mieux, grâce à Dieu. Alors, nous sommes chez vous aujourd'hui à Palimé, à votre domicile, pour nous entretenir un peu avec vous. Et il y a beaucoup de gens qui vous ont connu, peut-être la jeune génération pas. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qui est M. Zétan Mbégué? Oui. Merci beaucoup pour cette visite que vous m'avez rendue. C'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir. Effectivement, vous êtes arrivé ce mois dans mon domicile. Je vais me présenter. Peut-être beaucoup me connaissent. Je suis Eze Tomedegwe. Et communément, les gens m'appellent Christophe. Christophe. Mais le nom même du jeu du football, c'est Eze. Et Tomedegwe suit. Donc, c'est M. Eze Tomedegwe que vous êtes en train d'écouter. J'ai été un joueur de football, notamment de Gomido, dans les années 1971. J'ai commencé par approcher le club Gomido. À l'époque, j'étais un élève au CEG à Bougal. Et mon directeur, c'était M. Baba, paix à son âme. C'est lui qui voyait en moi un grand joueur. Donc depuis Agou, depuis le CEG, lui habitait Palimé. Donc le soir, à la sortie de l'école, en arrivant à Palimé, il m'amène chez lui à Palimé pour que je puisse m'entraîner avec le club Gomido. Donc le lendemain, je commençais l'entraînement et chaque jour c'était comme ça. Avec les K.O., on était ensemble au CEG à Bouga. Et c'est comme ça que nous avions intégré le club de Gomido. Je vais citer certains noms que vous connaissez. Afoda Nyada fait partie de cette génération-là. Sapa Kossi aussi en fait partie. Nous étions les trois stars du CEG à Bouga à intégrer Gomido dans les années 71. Et quand nous étions arrivés, il y avait les anciens. Il y avait les anciens tels que Foli Ekwe, que vous connaissez, qu'on appelle Togo Route communément. Ils étaient déjà dans Gomido avec d'autres joueurs, dont nous étions leurs petits frères. Et c'est comme ça, ils nous ont reçus, ils nous ont bien accueillis, et nous avions commencé. Et quand ils ont vu nos prestations, ils ont dit qu'ils ont maintenant de bons joueurs. Et effectivement, nous étions bons. Et les matchs amicaux les ont démontrés. Nous avions déjà fait des matchs amicaux. Et quand le championnat a démarré, c'était la grande prouesse. Et je me rappelle, notre première saison a démarré en 1978. Le premier championnat togolais, je crois que c'est en 1978, où Gomido devait affronter Asco de Kara. À l'époque, c'était l'Andiacom de Kara. Et Gomido devait faire le déplacement sur Kara.
Et quand on nous a annoncé la nouvelle, on était très content de faire un déplacement sur Kara. Et le jour où nous étions arrivés à Kara, c'était dans une bâchée qu'on est arrivé à Kara. Nous étions arrivés à Kara et pour l'hébergement, on nous a hébergés au lycée de Kara où il n'y avait même pas de lit. On dormait sur les bancs, certains en même le sol. L'essentiel pour nous, c'est que le lendemain arrive pour qu'on puisse jouer le match. Et le lendemain matin, on nous a réveillés pour le jogging du matin. J'ai oublié, il y avait les Amouzougan à Siongo et Amouzougan Paulin, les deux qui étaient dans Agaza, paix à leur âme. Ils étaient tous dans Gomido. On était tous ensemble. Il faut voir déjà l'équipe que je présente. Il y avait Doubessa qui était aussi au lycée de Kodi, qui était à l'époque dans Gomido. On était tous ensemble, c'était tout ce groupe-là. Alors, vous avez joué dans Gomido jusqu'à quand? De quelle année à quelle année? De 71 jusqu'en 90. J'ai raccroché en 90. J'avais raccroché en 90. En 90. Et mon parcours en 84, j'ai signé le titre de meilleur buteur du Togo. Et c'est le trophée qui est sur le truc là, le grand trophée. C'est le trophée du meilleur joueur du Togo, le meilleur buteur plutôt du Togo, qui m'a été décerné à l'hôtel de février par le général Nyonfam à l'époque. Le général Nyonfam Qui était à l'époque le président de la fédération. Ok, et vous avez décerné ce trophée-là. Qui était le trophée de meilleur buteur. Et j'avais signé 15 buts. En 1984. Okay. Dont 5 buts, bon, moi seul, la dernière journée à Thévier. Okay. Face à Bikenti de Bassa. Okay. Parce que le terrain de Kwalimé était suspendu. Okay. Pour violence. Donc on nous avait déplacés sur Thévier. Et le jour-là, heureusement pour moi, j'ai signé moi sur 5 buts. On a fait 5 buts à 1 contre Bikenti de Bassa. Donc vous étiez à poste offensif à l'époque. Poste offensif au numéro 10. Okay. Et capitaine en même temps. Capitaine de Gomido. De Gomido. Okay. Donc j'ai signé 5 buts seul. Ce qui m'a fait gagner ce trophée-là. Alors, et aussitôt après, j'ai été repéré par l'entraîneur togolais, Gottlieb Güler. D'accord, donc vous avez fait Gomido, et puis après vous avez intégré l'équipe nationale. Après j'ai intégré l'équipe nationale en 78. Oui. Ok. Et comment ça a été dans l'équipe nationale? Quand vous avez intégré en 78, vous étiez avec qui en 78? Mes coéquipiers. Le premier qui me vient en idée, c'était Amouzou Tété. Okay, qui était le président de la SFOSA. Oui, le président de la SFOSA actuelle. J'ai intégré l'équipe nationale en même temps avec lui en 1978. Okay. Et plusieurs, dont j'y donne un peu les noms. Alors, 78, vous avez intégré l'équipe nationale. Et quelles sont les compétitions auxquelles vous avez participé à partir de ce moment-là? J'ai participé à la Coupe des Nations, aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique, etc., etc.
Et j'ai fait beaucoup de voyages aussi avec l'équipe nationale. On a eu à faire beaucoup de voyages. Avec l'entraîneur Goulet. Avec l'entraîneur Goulet. Après, avec l'entraîneur Amenda. 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 Okay. Et puis l'entraîneur Ayivi. Et l'entraîneur de l'entente de paix à son âme. J'ai oublié son nom. Franck. Franck. Fiao. Fiao. Okay. J'ai eu à aussi faire des voyages avec un entraîneur ghanéen. Evans. Et après, il y a un entraîneur hongrois qui est arrivé. Nandor Bagnaï. J'ai eu affaire avec lui. Avant que l'entraîneur des juniors n'arrive pour faire la sélection des juniors. Et c'est là où j'ai été écarté. Parce qu'il a voulu m'intégrer dans les juniors, mais il a dit que, mon petit, on va te voir que tu n'es pas junior. Donc je ne veux pas de problème. Donc le blanc, comme ils sont rigoureux, il m'a tout simplement écarté. Donc j'ai été carrément remis au senior. Quels sont les souvenirs que vous avez encore gardés par rapport à l'équipe nationale et vos anciens coéquipiers? Est-ce que vous êtes en contact encore avec certains? Oui, effectivement, je suis permanemment en contact avec certains. Ils sont nombreux, et notamment il y a certains qui sont à l'extérieur. Avec qui je communique souvent. Et certains petits frères qui sont venus après nous, mais que j'ai pris comme des petits frères et qui m'ont pris aussi comme des grands frères qui ne m'ont pas oublié. Par exemple, Pépé, la CPP, fait partie des petits frères qui ne m'ont pas oublié. Et d'autres. Les voyages que j'ai effectués à l'époque qui me viennent en idée, il y a un voyage qu'on a effectué sur le Sénégal. Okay. Au temps de la star sénégalaise, j'ai oublié son nom. Jules Bokandé. Jules Bokandé, effectivement. Effectivement. À l'époque, on devait faire un tournoi, un match au Sénégal. Mais on a fait d'abord un tour à Abidjan pour la coupe au feu Boigné. On a joué la coupe au feu Boigné. Après ça, on a fait un match au Mali. On a fait un match au Mali avant d'atteindre le Sénégal. Malheureusement, on a été battu au Sénégal par un but à zéro. Et c'était au temps des Abbé Ditri et le grand Assobayovi, le José Massaoudou, le Kodovi Mawena, le Moutaïrou Rafiou, le Saadou Boukari, le Denke Oiseau en défense, et Kwe Folie en défense. Franchement, c'était un match. Et le lendemain, la presse sénégalaise a sorti un article qui rencontre Togo, Sénégal, et Kwe Folie, Jules Bokandé, les deux costauds, match dans le match, parce que Kwe Folie est aussi géant que Jules Bokandé. Mais entraîneur Amenda lui avait passé une consigne de ne jamais laisser Jules Bokandé en paix. Donc si Jules Bokandé, il était au poste avant, mais s'il recule même dans la défense sénégalaise, et qu'il est obligé de le suivre depuis notre défense pour le prendre en défense sénégalaise. C'était vraiment un match dans le match. Nous-mêmes, nous étions émerveillés par
ce comportement de folie et quoi avec Julie Boukandé. Ou à la fin du match, Julie Boukandé a approché Ekwe Folie pour lui demander, toi là, je t'ai fait quelque chose. Je t'ai fait quelque chose. Il lui a serré la main pour créer une amitié entre les deux. C'était un match que je n'ai pas oublié. Ensuite, en 84, nous étions au Burkina Faso pour le tournoi zone 3. Et c'était au temps de Thomas Sankara. Et je me rappelle, notre dernière séance d'entraînement, Thomas Sankara était venu nous dire bonsoir et rester avec nous à même le sol. Et il nous a raconté que lui, il a fait l'université à Lomé. Donc il est en partie togolais. Il ne nous oublie pas. Et il était très amical avec nous. Et il nous a bien encouragé pour gagner le match. Et c'était un bon match aussi. Mais on a été gagné par le Ghana, comme d'habitude. Alors, et votre génération, c'est cette génération-là qu'on décrit comme la génération qui a joué par patriotisme. C'est-à-dire que quand vous jouiez avant, le football n'était pas encore comme aujourd'hui, où il y a beaucoup d'argent, il y a les contrats et tout ça. Comment vous étiez traité? Comment vous vivez? Franchement, notre époque, il n'y avait même pas d'argent. Ouais. Quand vous avez des primes de match On avait des primes de match. Oui, c'était combien par exemple? Pour un match très sérieux, avant le match, on vous donnait 10 000 francs comme argent de poche. Je me rappelle quand on allait au Liberia, au temps de Georges Weah, c'était en 86. On est parti au Liberia affronter Georges Weah. Je me rappelle avant de partir à Lomé, on nous appelle pour nous distribuer 10 000, que c'est l'argent de poche. C'est cet argent-là qu'on a gardé pour aller au Liberia et revenir avec. Parce qu'au Liberia, tu ne pouvais rien acheter avec 10 000 francs. Ils n'utilisent même pas le franc français. C'est le dollar libérien. Donc on a gardé jalousement les 10 000 francs pour revenir avec à Lomé. Mais si vous gagnez un match, on vous donne de l'argent? Le jour-là, le général Nova nous avait promis que si vous gagnez ce match-là, je vous donne 50 000 francs chacun. Et après le tournoi, on nous a distribué 50 000. C'était fini. Et je me rappelle aussi un match qu'on devait jouer à Lomé contre la Côte d'Ivoire. C'était au temps de le grand défenseur là, il s'appelle comment même Claude, rappelle-moi le nom du défenseur ivoirien. Le géant là. Tu as oublié. Mongei Gueye. Il y avait Mongei Gueye. Il y avait le chanteur ivoirien, Gadi Seri. Ils étaient tous des joueurs. Ouais. J'ai joué avec tout ça là. Et ils étaient, on est parti en Côte d'Ivoire et ils nous ont gagné 2-0. Et le match le retour, le général Nofa nous avait appelé. Et il a dit, mes enfants, je ne vous demande pas de vous qualifier, mais je ne vous demande pas de gagner, mais de vous qualifier. C'est tout ce que je vous demande. Et si vous arrivez à gagner la Côte d'Ivoire, je vous donne des scooters. Chaque joueur a un scooter. Moto. Scooter. Plus 50 000 francs. Il faut voir comment on s'est battu le jour-là. Et vous avez gagné? Oh, on a gagné 1-0. Mais vous n'étiez pas qualifié. Mais ça ne suffisait pas. Voilà. Et vous avez eu la moto? On n'a pas eu de moto. C'était sur penalty. Et le jour-là, la veille,
J'ai fait un rêve et j'ai dit que les amis, nous allons avoir un penalty. Et j'ai désigné Lawson Placa. J'ai dit Placa, c'est toi qui, s'il y a penalty, c'est toi qui vas jouer. Lawson Placa dit qu'il ne joue, joue pas. J'ai dit c'est toi qui vas jouer. Et heureusement, le jour-là, il a eu penalty. Et j'ai dit Placa, c'est toi que j'avais désigné. Placa ne voulait pas jouer. Et l'entraîneur est descendu des tribunes, il a dit, Rafiou va jouer. Rafiou dit, toi, tu n'es pas normal. Comment tu peux me désigner pour jouer un penalty sur un match comme ça? Et on a forcé Placa. Et Dieu merci, il a joué, il a marqué le but. Et on a gagné la Côte d'Ivoire 1-0. Et on nous a fait l'essentiel quand même. C'était un moment quand même de joie pour nous les joueurs. On n'avait rien, mais entre nous, on s'entendait bien. Il y avait de l'amitié et ça faisait qu'il y avait une bonne ambiance entre nous. Quand bien même les dirigeants ne nous regardaient pas, nous-mêmes, on se prenait en charge. Alors, vous disiez tantôt que vous avez raccroché en 90. Oui. Vous avez raccroché en 90. Et vous avez raccroché quand en équipe nationale? J'ai raccroché en équipe nationale après un tournoi qu'on jouait au Ghana. Okay. Le tournoi Zone 3. Zone 3. Okay. Oui, j'ai participé à tous ces tournois-là. D'abord, on a commencé au Bénin. Après, tous les autres, c'était au Ghana. Et c'est après ça que vous avez raccroché? Oui, après ça. Après avoir joué avec Abedi Pelé et les consorts, c'était le dernier tournoi au Ghana qu'on a été éliminé. Et je me rappelle que nous sommes allés au Ghana en avion pour participer à ce tournoi-là. Ouais. Mais c'est parce que le Ghana nous avait battu au dernier tour en finale. En finale, les autorités togolaises étaient fâchées, notamment le président Nyofam était fâché que pourquoi on s'est laissé battre par le Ghana. Mais nous sommes à un match de football. On ne pouvait pas se laisser battre. Oui. C'est le jeu qui continue. Et à notre grande surprise, on nous avait envoyé un car pour nous prendre. Donc l'avion n'est plus venu nous chercher. L'avion n'est plus venu nous chercher. L'avion est parti nous laisser. Et nous sommes arrivés à Plaou, où un car est venu nous prendre et direction Fédération, où M. Nyofam nous attendait. Et il nous a insulté correctement avant de nous laisser rentrer à la maison. Et c'était pareil au Burkina Faso en 84, où on est parti par avion parce qu'on nous a gagné. Le même Ghana nous avait éliminé en finale. L'avion est parti et il y a un car militaire. Un car militaire burkinabé qui nous avait transporté jusqu'à la frontière Saint-Cassé, où le car togolais est venu nous chercher là-bas pour Lomé. C'est des aventures comme ça que j'ai vécu. Donc quand vous allez jouer à un match sur le plan international, vous allez en avion, quand vous gagnez, vous revenez en voiture. Ça c'est sûr. Okay. Quand on vous gagne, vous revenez en voiture. Okay. Sans savoir ce qui s'est réellement passé, oui. Alors que nous-mêmes, on se bat sérieusement, on se bat, mais à la fin, c'est le football, le sort décide autrement, on vous gagne par peut-être 1-0, oui. L'avion qui vous amène à destination, l'avion vous quitte et vous revenez
Encore. D'accord. Alors, et depuis que vous avez raccroché en 90, vous faites quoi? Heureusement, à Parimé, la population a été reconnaissante. Où dès que j'étais au lycée de Podi, déjà au lycée de Podi, parce que j'étais intelligent, donc les autorités traditionnelles ont fait le plaidoyer auprès de l'administration communale pour que je sois recruté comme agent de la mairie. Okay. Et c'est en 83 que j'ai été recruté comme secrétaire du maire, secrétaire principal du maire. Donc c'est moi qui ai géré le secrétariat du maire jusqu'à l'année dernière, quand j'ai été frappé par cette maladie. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, vous avez été secrétaire du maire. Secrétaire du maire, secrétaire principal du maire, où, franchement, le maire, paix à son âme, il me faisait tellement confiance que même il y a des manifestations où le maire est invité. Mais quand il trouve qu'il ne peut pas aller, c'est moi qui l'envoie. Donc j'allais représenter le maire à des manifestations, à de très grandes manifestations. Ou même en 2014, le maire a été invité à Paris, congrès de l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones. Et on a demandé que le maire vienne avec son secrétaire. Le maire a dit, est-ce qu'il va encore aller chercher un secrétaire quelque part? Donc, il m'a dit de me préparer. Donc, j'étais allé avec le maire à Paris en 2014. Okay. C'est ça qui m'a fait gagner aussi en connaissance. Je n'avais jamais connu Paris. Donc, cette aventure m'a fait connaître Paris et j'ai connu beaucoup de choses à Paris. Alors, est-ce que en tant qu'ancien joueur de Gomido, vous avez continué par apporter votre expertise à l'équipe de Gomido? Effectivement. Dès les premiers jours déjà, dès que j'ai raccroché, on m'a déjà pris pour le staff technique. Donc je faisais partie du staff technique comme entraîneur adjoint. À Beno Soko. À Beno Soko. Quand Beno est parti, il y a Tiam, Papa Tiam qui est arrivé. J'étais l'adjoint de Papa Tiam également. Et je me rappelle à l'époque de Papa Tiam, quand Gomido était qualifié pour le continental, on devait affronter le Djaraf de Dakar. Où Gomido devait aller à Dakar. Mais Papa Tiam étant sénégalais, tu comprends qu'on n'avait pas tellement confiance en lui. Et Kofi Go étant le premier ministre à l'époque, Kofi Go a fait appel à Papa Tiam et à tout le staff de Gomido. Et il a voulu savoir comment est-ce qu'on s'organisait. Et on lui a dit que c'est Papa Tiam qui accompagne Gomido à Dakar. Il a dit Diet. C'est pas possible. Un Sénégalais, pour accompagner Gomido au Sénégal, là, il n'y a pas d'espoir. Donc, qui est l'entraîneur adjoint? On m'a présenté comme adjoint. C'est là où Kofi Go a dit que, exceptionnellement, c'est Eze qui conduit l'équipe à Dakar. Donc, c'est moi qui ai conduit Gomido au Sénégal à l'époque. Et heureusement pour moi, Dieu merci, nous sommes allés battre Dakar, Djaraf à Dakar, 2-1. Je sais que vous vous en rappelez. Et
nous étions qualifiés. Mais c'est la dernière manche qui ne nous avait pas souri. Où on a été éliminé par Mogas de Cotonou. Ça nous a fait quand même mal. Donc j'ai été entraîneur adjoint et après on m'a nommé entraîneur pour soutenir les enfants. Donc le championnat 2018, c'est moi qui ai conduit les enfants jusqu'à la fin. D'accord. Et il se fait que depuis quelques années, vous êtes tombé malade. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous est arrivé? D'accord. C'est l'année 2021 que j'étais victime d'un AVC. Et les docteurs l'ont qualifié d'AVC avec embolie. Il dit que c'est la forme grave d'AVC. Et c'est ça qui peut tuer rapidement. Parce que cette forme-là ne me permettait pas la respiration. Et effectivement, quand on m'avait dépêché à l'hôpital, à Lomé, j'étais à chaque fois sous oxygène. Et c'était ça. Heureusement, aujourd'hui, j'ai dit que ça va un peu. Oui, on vous a retrouvé ici dans un fauteuil roulant. Vous n'arrivez pas à marcher du tout. Mon bras aussi. Oui, votre bras est totalement invalide. Heureusement que vous avez retrouvé l'usage de la parole et que, extraordinairement, vous avez tous les souvenirs de vos activités. Comment vous vous débrouillez par rapport à cette maladie-là? Comment vous affrontez ça? Cette maladie, mes premiers remerciements vont à ma fille. À ma fille qui est sur la photo là-bas. Okay. Sur le portail là. Okay. C'est ma première fille. Okay. Elle est aux États-Unis. Okay. C'est elle qui a fait toutes les dépenses sur moi. À l'hôpital, elle est Lyon. À Lomé, derrière le lycée à Dido Gomes. Okay. Il y a un hôpital là-bas. C'est là où on m'a transféré. C'est ma fille qui a fait toutes les dépenses. Et appuyée par les anciens joueurs à Saft, conduit par Amouzou Tété. Okay. Et appuyée par les anciens de Komido également. Et ensuite appuyée par ma famille en dernier ressort. C'est ces gens-là qui m'ont appuyé. Ma fille d'abord, à Sartre ensuite, les anciens de Komido ensuite, et puis ma famille à la fin. Est-ce que certaines autorités du football togolais savent que vous avez fait un AVC, que vous êtes malade? Franchement, je ne sais pas s'ils le savent. Est-ce que vous avez envoyé des messages à des gens? Effectivement. Pour qu'au moins on puisse les informer que vous avez effectivement fait un AVC. Parce que vous êtes quand même une gloire de l'équipe togolaise. Je sais que si je dois envoyer un message, il y a une personnalité en qui je peux avoir confiance pour envoyer le message. C'était Monsieur Pafio qui est à la fédération. Vous le connaissez très bien. Pafio étant mon frère Dagou, j'avais confiance en lui. Mais malheureusement, quand j'ai appelé Pafio pour envoyer un message au colonel Akpovi. Fédération, c'est ça? Fédération. Okay, Akpovi. Akpovi. J'ai voulu d'abord commencer par là, pour envoyer un message à Akpovi. Quand j'ai appelé Pafio pour lui dire ce que je voudrais envoyer à Akpovi, il ne m'a pas reçu. Il m'a balayé du revers de la main. Donc, Akpovi n'est pas au courant. Donc, après Akpovi, il y a une ou deux autorités qui sont au courant
mais elles n'ont pas réagi. Jusqu'à ce jour, aucune autorité n'a réagi, sauf le préfet de Kloto, qui a été au courant et qui rapidement est venu me voir ici, dans ma maison. Lui, je dis un grand merci. Le maire, M. Doubache aussi, est venu. Hein, c'est les deux-là qui sont venus me voir pour m'encourager. En dehors des deux-là, personne. Alors, comment vous faites face à la situation? Parce que vous êtes de la génération des gens qui ont joué, vous avez dit tout à l'heure, pas patriotisme, vous distribuez 10 000, 10 000 et 50 000. C'est clair que vous n'avez pas de ressources suffisantes et l'AVC est une maladie qui exige beaucoup de moyens. Comment vous faites? Effectivement, là où je suis maintenant, je suis en train de réfléchir sur comment faire pour m'acheter les produits qu'on m'a prescrits. Parce que pratiquement chaque mois, je paie des produits jusqu'à 300 000 francs. Des produits jusqu'à 300 000 francs. C'est ce que je dis que c'est grâce à ma fille que j'arrive à tenir. Sans ma fille, je serais déjà mort. Sans ma fille, je serais déjà mort. Et aussi sans Asaft, qui me vient en aide de temps en temps, surtout à Mouzoutete, à qui je dis un grand merci et que Dieu le bénisse. En dehors de ma fille et d'Amouzoutete, je dis il n'y a personne, il n'y a plus personne. Alors, vous avez un message à faire passer parce que vous êtes un patrimoine national et c'est quand même anormal qu'on vous laisse dans cette situation-là. Vous avez un message à passer à toutes les autorités, fédérations, ministères et tout. J'ai un message. J'ai un grand message à faire passer. Mon message s'adresse à toutes les autorités, même le chef de l'État. C'est lui là-bas. Je suis en train de communiquer avec le chef de l'État là-bas sur cette photo-là. C'est sa campagne 2005 où on m'a désigné d'aller représenter toute la population de Kloto à Pumakwanda. Et c'est moi là-bas. Après, la deuxième campagne, c'était à l'Enfa de Touvé où on m'a encore dépêché pour représenter la population. Et le troisième passage, c'était à l'hôtel 30 août, où le préfet m'a désigné encore d'aller représenter la population, où le chef de l'État devait venir s'entretenir avec tous les chefs cantons de Kloto. Et c'est moi qui suis allé représenter le préfet de Kloto. Donc ça veut dire que je suis quand même une personnalité influente aussi dans la région où on compte sur moi. Et mon message à l'endroit des autorités, c'est que je me rappelle Rigobert Song de Cameroun. Il a eu cette même maladie, AVC. Mais quand il a eu cette maladie-là, le lendemain, aussitôt, on l'a dépêché à Paris. Il a été dépêché à Paris pour être pris en charge. Et au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui entraîne l'équipe camerounaise, les Camerounaises. Pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas faire pareil pour moi, pour m'aider un peu à me soigner, ne serait-ce que me guérir, pour que je revienne au moins guéri pour continuer mes activités de sport. Ils m'ont laissé comme ça. Et le peu même qu'on devait me donner, je ne l'ai pas eu. Et ça me fait très mal. Et dans ces conditions, je me pose la question de savoir si j'ai un enfant garçon. C'est mon enfant garçon qui est arrivé. Yo, Roi Adam. Ouais. C'est mon enfant
Il a son bac, il est à Lomé. Il va rentrer à l'université. S'il devait faire le football, je n'allais pas le permettre de faire le football. Il joue aussi, mais je vais arrêter tout ça là. Il ne va pas faire le football. J'ai deux enfants qui font le football, mais je les ai arrêtés. Qu'ils ne vont pas se décarcasser pour un pays qui n'est pas reconnaissant envers les joueurs. Donc, j'ai fait cesser tous mes enfants de jouer au football. Ils n'ont qu'à venir rester avec moi. Si on trouve le peu, on va manger. Qui a joué au football pendant des années de haut niveau et au jour d'aujourd'hui, me retrouver dans une chaise roulante, je ne peux pas marcher, je ne peux pas sortir mon bras, puisque ça a frappé tout mon côté gauche. Ça fait que mon pied gauche ne travaille pas, mon bras gauche ne travaille pas. Et pour marcher, me déplacer, il faut forcément quelqu'un pour m'accompagner. C'est la dame là qui est avec moi. C'est elle qui s'occupe de moi dans toutes choses. Si je dois sortir de cette chambre, c'est elle qui doit me conduire dans la chaise roulante pour m'amener dehors, pour prendre un peu de l'air. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Alors que j'ai aussi sacrifié mon sang pour ce pays-là. Pourquoi ça? Non, on comprend votre amertume. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui. On n'est pas arrivé seul. Je suis arrivé ici avec deux autres anciens joueurs. À Paris, j'ai eu à rencontrer même le maire de Paris. Oui, je vois Bertrand Delanoë. Oui, à l'époque. J'ai eu à rencontrer le maire de Paris. Oui, Bertrand Delanoë. Je le reconnais dans la photo. Ici, c'est quand Mewé est arrivé à Paris. Ah oui. Je l'ai rencontré. Gohou. Gohou est arrivé. Il a cherché à me voir. Parce que quand on est parti en Côte d'Ivoire, j'ai fait un match extraordinaire où après le match, il a cherché à savoir où se trouvait l'équipe togolaise. Il est venu me voir à l'hôtel. Quand Gohou est arrivé au Togo, il a cherché à me voir. C'est moi et Gohou ça. Okay, donc j'ai plein de photos. Vous avez des souvenirs ici sur la table. J'ai des souvenirs. Vous avez plein de souvenirs sur la table. J'ai des souvenirs. Oui, vraiment. Ici, c'est dans la salle de congrès à Paris. Oui, c'est ça. C'est une photo. Oui, c'est ça. Oui, quand vous étiez encore. Voilà. Quand je jouais encore. Oui. Alors, comme je le disais tantôt, je ne suis pas arrivé seul ici. Je suis arrivé avec deux anciens joueurs aussi du football togolais. Je les connais très bien, qui m'ont accompagné. Je pense que vous les avez reconnus. Oui. Donc, je vais leur permettre de prendre la parole pour quelques minutes. Moi, et Toubatier. Voilà, vous êtes de Toubatier ici. Donc, je vais demander au coach Yenke Kodjo de venir s'asseoir à côté de vous. Oh, grand frère. Claude. Claude, c'est un ami et un petit frère. Mais quand on se rencontre sur le terrain, c'est la guerre. Mais après la guerre, on est devenus frères. C'est un ami de longue date. C'est le coach Yeke Kodjo. Oui, oui, voilà. Effectivement. Voilà, je suis venu avec lui. Et comment vous allez? Ben, je vais bien. Alors, nous sommes venus voir votre grand frère. Et je pense que vous avez quelques mois placés par rapport à dans l'état dans lequel vous le trouvez aujourd'hui. Moi, je veux dire que mes appréhensions étaient plus que ce que j'ai découvert ce matin. Et ça va, grand frère. Oui. Disons que ça va avec la grâce de Dieu. Je dis merci au Seigneur. Voilà. C'est le plus important. Qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive à poser mes premiers pas. Il y a déjà quelque chose, ça va aller. Et je suis venu voir mon grand frère ce matin. C'est le monsieur, quand j'étais arrivé en sélection en 84-85, qui m'avait pris la main
il m'a conduit, il me conseillait et je l'ai pris comme mon grand frère. Je me rappelle notre première sortie à Abidjan. Abidjan. Dans l'avion. Oui. Il m'a beaucoup parlé oui. À l'hôtel. Après le match, il m'a félicité, bien qu'on avait perdu 3-0, je crois. Il m'a encouragé. Et le voir dans cet état aujourd'hui, vraiment, ça me fait mal. Mais ben, on fait avec, c'est la vie. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire au niveau national pour l'aider? Parce que c'est quand même un patrimoine national. Ben, au niveau national, c'est vous êtes les anciens joueurs, vous faites votre part. Ouais. Et... Nous, déjà, à notre niveau, nous essayons d'apporter notre confort à l'ancien. Et ça se fera pour les autres, on ne le souhaite pas, mais à chaque fois qu'on pourrait le faire, on ne va pas hésiter. Mais je demande à nos dirigeants de ne pas laisser nos anciennes gloires disparaître dans le dénuement total, dans la souffrance. Ça n'encourage pas la jeune génération. Et le voir dans cet état, vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. Il faut que les choses changent. Il y a toute une réflexion à faire. Si. Il va falloir repenser notre façon de voir les choses. Et certainement, le jeu, s'il va disparaître ici, on va lui faire les hommages. Ouais. Mais il vaut mieux lui faire les hommages pendant qu'il est encore vivant. Ouais. C'est le plus important. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, coach. Merci de nous avoir accompagnés à ce rendez-vous d'entretien. Mmh. Il y a un autre ancien aussi qui est avec nous, Senaya. Si. Senaya Junior, mon petit frère, oui. Lui c'est sa maison, donc il doit naturellement connaître okay. La maison. Oui, c'est lui qui vous avait conduit. Oui, c'est lui qui a il doit connaître la maison. Mais seulement, on s'est perdu un peu, mais bon. Comme ça fait déjà plus d'un an là. Ouais, et puis nous sommes arrivés sous une grande pluie, c'est une bénédiction. Alors, M. Sénat, oui. Vous êtes avec votre grand frère, oui. Vous allez me voir passer. Vous oui. Venez le voir souvent. Oui, oui. La dernière fois, c'était en mars, le 13 mars 2021, oui. Que j'étais là avec lui. Mais aujourd'hui, je suis très content et puis je rends grâce à Dieu pour sa vie. Oui. Parce que en 2021, là, c'était pas comme ça. C'est vraiment difficile. C'était difficile. Mais je rends grâce à Dieu. Et puis je l'encourage. Je l'encourage beaucoup. Oui, merci. Alors, pour vous, le grand frère qui vient de parler, pour vous, ces situations, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, je peux dire que actuellement il y a le regroupement des anciens footballeurs. Oui. Même si l'État, la fédération ne fait pas face aux anciens joueurs, il faut que nous essayons de s'organiser pour essayer de nous soutenir dans cet état. Sinon, si on pense toujours que c'est l'État, c'est la fédération, peut-être qu'on va rester comme ça, tous les anciens footballeurs. Ils vont finir. Ok, je vous dis merci. Ok, merci. Merci pour nous avoir accompagnés jusqu'ici. Monsieur Zéton Mérigui, oui. Et c'est d'abord un plaisir pour nous d'arriver chez vous ce matin à Kualimé. Et pour cet entretien, nous avons passé un peu en revue votre carrière et vos problèmes de santé. Et est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit du peuple togolais en général? Certainement. Mon dernier mot à l'endroit du peuple togolais, d'abord, c'est d'adresser mes félicitations à tout l'ensemble du peuple togolais pour leur soutien au football. Parce que, quoi qu'il arrive, quand il y a un jeu de football, on sent une accalmie dans tout. Tout le monde veut aller voir le match de football. Et c'est ça le Togolais. Le match de football est le meilleur moyen de les rassembler. Donc je félicite l'ensemble du peuple togolais. Pas plus qu'hier, le match qu'on avait joué au Niger,
on croirait que j'étais au Togo. Tout le monde était collé à son poste téléviseur. Quand bien même on nous avait gagné, on est éliminé, mais on garde la foi que ça va aller prochainement. On n'est pas découragé. Parce que c'est la jeune génération qu'il faut encourager. Il faut les encourager. Ils font quand même de leur mieux. Donc, moi, je me dis, si vraiment j'étais encore apte à aller sur le terrain, j'allais me proposer volontaire pour être dans le staff technique togolais, pour apporter mon soutien aux jeunes. Aux jeunes. Nous aussi, on a commencé comme ça. Donc, il faut leur attribuer certaines connaissances. Parce qu'ils en ont besoin. Les jeunes ont besoin de certaines connaissances, certaines techniques. Parce que quand vous voyez les jeunes, beaucoup sont déjà techniques. Mais il faut leur apprendre certaines choses. Quand ils vont les assimiler, ils deviendront des techniciens fins. Ils deviendront des Messi, des Ronaldo. Donc, je dis que les Togolais ne doivent pas être écartants vis-à-vis du football. Ils doivent toujours être près des joueurs pour leur donner des conseils. Il le faut. Mais quant à nos autorités aussi, je leur demande d'être plus regardants et d'être plus intéressantes vis-à-vis des joueurs. Et surtout des anciens qui ne sont plus en activité. Et il faut leur apporter le minimum de soutien. Parce que je me dis, pourquoi est-ce qu'il y a des anciens ministres, des anciens députés, etc., etc. On leur accorde des primes. Et pourquoi est-ce que jusqu'à ce jour, on n'accorde pas de primes aux anciens joueurs, alors qu'ils en ont besoin. Ils se sont battus aussi pour l'État togolais. Et aujourd'hui, ils sont à la retraite. Ils ne font plus rien. Il va falloir quand même penser à leur attribuer quelque chose. Le minimum de survie, il le faut. Ça, je l'adresse directement au chef de l'État. Je l'adresse au chef de l'État. Il me connaît assez. Il me connaît. Je ne dis pas son directeur de campagne, mais celui-là qui avait dirigé sa campagne en 2005 à Koumakonda et à l'Imphal de Touré et à l'hôtel 30 août. Le jour-là, quand il m'a vu, il m'a serré la main, il dit, toi, je te connais. J'ai dit, Excellence, vous me connaissez. Et à Koumakonda, il dit, tu es d'où, mon garçon? Je dis, je suis d'Agou. Je dis, on se voit tout à l'heure à Agou. C'est moi qui lui parle. Il doit être plus regardant et s'intéresser aux anciens joueurs. J'en ai déjà parlé à Chéhi. Chéhi est venu à Palimé, je l'ai rencontré à l'hôtel Cristal. On s'est rencontré à l'hôtel Cristal, où je suis entretenu avec lui. J'ai dit, Chéhi, toi tu es petit. Et il reconnaît effectivement que je suis son grand frère. J'ai dit, Dieu a fait que vous avez évolué. Mais ce que je voudrais de demander comme plaidoyer auprès des autorités, c'est de voir parmi les joueurs, ceux qui sont à la retraite là, de faire le listing pour remettre aux autorités pour que les autorités puissent penser à eux. Parce que effectivement, beaucoup de joueurs ne font rien avant leur retraite. Ils coupissent dans la misère. Ça fait que les joueurs meurent comme ça. Les gens meurent comme ça. Mais s'ils avaient le minimum de soutien, je crois qu'ils allaient survivre un peu.
Donc, les autorités donc à être plus regardantes vis-à-vis des joueurs retraités. Et ce serait un grand pas. On leur rendra vraiment grâce s'ils le faisaient. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Moi qui suis ici, ce matin, peut-être je n'ai rien à manger. Et durant toute la semaine, comment est-ce que je vais vivre? Donc, c'est important, si vous pouvez transmettre ce message-là, à qui de droit? Notre entretien sera de toutes les façons diffusé, et donc tout le monde va suivre ça. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler aux uns aux autres votre contact, votre numéro, si vous l'avez en tête? Mon contact, c'est 90 05 61 24. 90 05 61 24. C'est mon tour au sel. Mon move. 99 50 65 46. D'accord. Le move. D'accord. Il y a l'entraîneur Linky qui. Voilà. C'est un pin représentant l'épervier. Ok. L'épervier, c'est l'emblème de notre équipe nationale. Merci. Vous avez été mon doyen. Je me fais le plaisir de vous l'offrir. Merci beaucoup, Linky, petit frère. Un souvenir de mon petit frère que je n'oublierai jamais. Merci beaucoup. Voilà, c'est fait. Oui. Alors, mais c'est grand frère. Oui, je vais vous raconter une histoire concernant Yenke. Okay. Quand ils étaient à Asco, nous sommes allés jouer un match à Kara. C'était avec les joueurs, comme le défenseur là, comment on l'appelle, le commando. Appel était. Appel était à Koum. Appuie à Goro ou bien à Goro. C'était des défenseurs militaires. Et quand on envoie la balle à Eliel, je saute, je le bloque, je prends la balle et je fais ce que je veux. Mais ils étaient plus géants que moi. Mais je les dominais. Et à un moment donné, l'autre Agoro, il a dit, il s'approche de moi et dit, mon capitaine, je te respecte beaucoup. Je dis oui, et après, il dit, je te respecte beaucoup, mais chaque fois quand la balle vient là, tu me fais comme ça, tu me fais comme ça, tu me fais comme ça. Prochainement, je vais planer dessus. Je dis, plane, plane, plane dessus. C'est ça qui me fait la tête. Donc on est devenu amis comme ça. Avec Appel et Taku, on a fait beaucoup de voyages aussi. Lui aussi, il était international. On a effectué beaucoup de voyages. Donc c'est comme ça qu'on a créé des amitiés. Quoi. Agoro, il est là. Il est décédé. Oh, ascendant. Alors, chers amis, nous voici à la fin de cet entretien. Nous sommes venus ce matin à Kualimé le 4 septembre avec deux anciens gloires du football togolais, M. Sena et M. Yenke, pour visiter le doyen et M. Zito Melegbe. Nous avons trouvé un homme, certes malade, mais qui a gardé toute sa mémoire, qui se rappelle des événements avec des dates précises, et ce qui montre quand même qu'il est toujours mentalement en forme. Et pour le plus important pour nous aujourd'hui, c'est que sa situation soit connue hein, du peuple togolais et de tous ceux qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, l'aider hein, à se soigner. Et donc, nous vous disons merci. Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Et puis, on vous dit à la prochaine.